Et nous voilà de retour sur la licence Sniper Elite avec cette version V2 remasterisée qui vient de sortir sur PS4, Switch et Xbox One, peut-être PC, je ne sais pas. Et donc j'ai pris la version PS4, ayant adoré et épluché de long en large en travers la version 360 en plusieurs runs, ayant refait et fait le 3 et le 4 sur PS4, je suis évidemment ravi de refaire le 2. Version remasterisée sur cette même PS4, donc V2 que j'avais adoré à l'époque. J'avais tout de suite accroché à cette licence, à l'inverse de beaucoup de gens qui l'avaient très souvent critiqué à tort, parce que c'est quand même une très bonne licence qui parvient à traverser le temps, puisqu'ils sont en train de préparer un cinquième opus et qu'il souhaite également ressortir Sniper Elite 3 sur Switch également. Alors, on va faire un petit coup de jumelle, on va essayer de faire cette mission en entier, en espérant que ce soit pas trop long. Sans crever déjà. Ah oui, putain, je t'avais pas vu. Bon, on va essayer de se le faire direct. Avant de crever. Ça c'est toujours aussi efficace et aussi jouissif. Donc, évidemment, ça a donné l'alerte. Ça n'a rien fait. Et je vais encore viser comme une merde. Oh, joli. Et pas me faire chier. Oh putain, il y a un sniper là-haut. On essaie de le marquer. Donc je suis contre les Russes, ne vous étonnez pas. C'est parce que pendant la chute de Berlin, donc forcément, les Russes étaient déjà en place. Et donc je me bats contre les Russes dans cette mission. J'espère qu'il y aura quelques Allemands à buter. Aussi jouissif, ça n'y a pas à dire. Alors, toi t'es bien bloqué. Bon, on va essayer de pas crever. Et donc de mémoire, il me semble que dans le Sniper Elite 3, peut-être le 4, on avait des trousses de soins. Et je suis étonné de ne pas retrouver dans le 2. J'étais sûr qu'il y en avait dans le 2. Mais apparemment non, ça a dû venir plus tard avec le 3. Allez, toi, t'y passes, mon petit gars. Voilà, ce X-Ray Killcam qui avait fait de cette licence ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, donc toi, t'es vraiment bloqué. Et à l'époque, c'était tellement fou d'avoir ça. La violence des tirs et de ces ralentis. Toutes les parties du corps qui étaient réduites en charpie, c'était absolument dingue. Et parmi les raisons pour lesquelles j'ai aimé cette licence, puisque j'ai toujours été fan de la Seconde Guerre mondiale et des jeux qui y prennent part, il faut bien dire que ça y participe quand même un peu. C'est là vraiment les couilles. Qu'on a fait le ménage. Mon objectif est de rejoindre ce point-ci. D'ailleurs, on va regarder sur la carte. J'ai pas accès à une carte. J'avais accès une fois. Je ne sais plus comment j'avais fait. Bref, c'est pas très grave. De toute façon, la map sur cet opus-là n'est absolument pas importante puisque ce sont des missions très couloirs, à l'inverse du 4 où les maps sont très grandes avec des missions secondaires. On n'a qu'une mission principale à chaque fois. Donc ça reste assez simple, on n'a pas effectivement besoin de checker la carte toutes les 5 minutes pour savoir où on en est, ni où on se trouve. Donc ça c'est pas un problème. Donc on a à disposition effectivement notre fusil de snipe,
mitrailleuse et notre pistolet. Celui-ci j'ai gardé, celui-ci j'ai pas pris un autre car celui-ci est assez silencieux. Ce qui pourra m'aider pour progresser plus tard, sûrement dans la map, dans la mission. Regardez les grenades à portée de main. Et là, on va garder la Thompson. Et on va y aller tranquillement. Donc je me rappelais assez bien des deux premières missions. Celle-ci, je me rappelais effectivement du décor. Mais absolument pas du déroulé de la mission. Donc ça, on va redécouvrir ça un peu ensemble. Puisque j'avoue que la version 360, j'ai touché la dernière fois il y a des années. Donc je n'ai plus grand souvenir des missions à venir. Je pense qu'ici je peux pas passer, bien sûr. Bon, je me suis mis en mode normal, c'est pourquoi les tiers au snipe sont très faciles. Pour me remettre dans le jeu, mais pour la vidéo je vais rester comme ça. Et après, si vous voulez du vrai challenge, il faut effectivement passer en mode difficile sans aucune aide, avec influence du vent sur la balistique. Et là, le jeu est effectivement beaucoup plus tendu, beaucoup plus compliqué. Et vous vous baladez pas comme moi, comme si de rien n'était. Vous explorez à la jumelle les lieux pour être sûr qu'il n'y a aucun mec, parce que de mémoire, en une balle, vous êtes mort. Ah, vous voyez, un petit problème d'intelligence artificielle. Voilà, avec le bordel qui s'est passé derrière toi, tu aurais quand même pu te planquer ou participer. Mais non, donc il y a encore des petites errances d'IA. Donc on sent que c'est quand même juste un léger remaster, hein. C'est absolument pas un remake. Ouais, ça c'est une super mitrailleuse. On va la garder. J'espère trouver des munitions rapidos. Bon, on va se foutre avec ça. Donc on va essayer de pas crever. Ce serait pas mal. Ah, il y a aussi des lingots d'or. Quand vous trouvez un petit peu de ci, de là, à travers les décors. Alors par contre là, on a un genre de situation un peu chiante. Je peux pas me mettre à couvert, mec, je voudrais. Bon, bah alors. Ben, c'est dingue, je suis déjà paumé. C'est bien. C'est la meilleure, celle-là. Bah. Bah. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah, j'étais sûr que c'était par là, pour le coup. Bah putain, bon ça alors. Est-ce qu'il y aurait une autre entrée? Ah bah oui, c'est là. Bien, bien. Putain, la résistance des mecs, non mais où? Je t'ai foutu un chargeur entier dans le buffet. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Donc une munition, ça va être un petit peu chiant. On va y aller avec le silencieux. Qui n'est pas une arme très performante puisqu'elle est très longue à recharger. Mais au moins le silencieux permet de nous sortir de quelques situations délicates. Donc on va y aller tranquille. J'imagine que je peux pas descendre. Si. On va juste voir ce qu'il y a souvent des munitions ou des lingots d'or planqués. Peut-être même des armes. Évidemment, il va y avoir personne.
Ah, si ça se trouve, c'est le chemin. C'était le chemin. Je retournerai bien là-haut. Tais-toi. Bon, est-ce que vous allez pouvoir filer des munitions? 2 balles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bon, super. Ah oui, de toute façon, il faut que je traverse, c'est ça le pont pour le faire péter, si je me souviens bien du brief de la mission. Eh ben non, donc c'était bien là-haut. Sauf s'il y a un chemin par là. Voilà. Et je vais juste aller en haut 3 secondes. Parce que ça m'intrigue quand même. Je suis pas déjà venu là? Ah oui, d'accord, j'avais pas vu l'escalier pété. Bon, c'est ma faute. J'imagine que là il y a rien. Bah ben voilà. Putain, mais donc je peux pas avoir des munitions pour cette arme là. C'est quand même pénible ça. Bon, donc un coup pour rien. Propose quoi là? Non. Parce qu'on peut aussi de temps en temps récupérer les armes des ennemis, bah, comme je l'ai fait avec celle que j'ai dans les mains. Je pensais que c'était le cas à nouveau, mais pas du tout. J'aimerais bien avoir des munitions pour cette arme. Voilà. Ce que j'entends ne me plaît pas du tout. Putain! D'ailleurs, c'est. Lingot d'or, là, c'est la foire au lingot d'or. 12 balles! Oh bah putain, on va aller loin avec ça. Je ne peux pas passer par là, c'est très bien. Vous avez dit, hein, c'est quand même, cette version est très très couloir. Mais pas vraiment le choix quant au chemin à prendre, vous voyez. Putain, mais c'est pas vrai que je l'ai pas vu encore celui-là. Fais-moi des munitions. Et ben voilà, 35 bastos. Ça commence à être pas mal. Donc toi tu me vois, mais je sais pas s'ils sont deux, mais tant pis. On va prendre le risque. Merde. Vous voyez là, l'intelligence artificielle, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fou dans ce jeu. Pourtant d'habitude ils réagissent plutôt bien, là c'est bizarre. Dans les deux premières missions ils m'ont plutôt bien emmerdé. Mais regardez, c'est quand même dingue. Alors je veux bien qu'il y ait le bruit du camion, faut pas déconner. C'est fou ça. Alors là je suis sidéré. J'ai pas eu ce problème du tout depuis que j'ai commencé. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça c'est mieux ça. Leur métier.
Placer des explosifs sur les piliers, je sais pas quoi, du pont, j'imagine. Donc ça ne dit pas du tout par où je dois passer. Ah, le câble en s'est barré, c'est ça? Ah, le câble en s'est barré, ok. Donc là, on va faire gaffe, puisque je suis vraiment à découvert. Ah, d'accord. Donc là, je les marque. C'est un peu con de faire ça, mais... Peut-être me planquer quand même, me foutre à l'abri. Ils m'ont vu ces connards. Ce que je me demande si en tirant sur le petit missile qui se trouvait à gauche, si ça suffirait pour tous les fumer, mais je ne pense pas. Et pour le coup, je suis plus du tout couvert. Non, et on se tente là. Oui. On va se faire le commissaire politique, hein, s'il a débouché. Allez! Là, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas courir quand on est accroupi. Là, je suis bloqué, on ne sait pas pourquoi. Bon, on se la joue. Enculé! Barre-toi! Et cours! Pas bon, c'est pas bon ça. Couvre-toi la couverture, putain. J'ai très mal joué. Pourquoi? Mais putain, c'est toujours le même problème. Les mecs, vous leur foutez 40 bastos dans le buffet, ils sont toujours debout. Vous savez quoi, là? Alors j'ai vu qu'il y avait un sniper qui m'a allumé tout à l'heure. On va essayer de le marquer. Il était où cet enfoiré? Peut-être qu'il s'est peut-être pointé. Après que les mecs me tirent dessus. Et je vais quand même tenter ça. On va voir si ça fait quelque chose. Tout super. Ah oui, ça pique ça. Ça aussi. Ça aussi. Et allez, coup double. Oh là, les grenades en plus. Superbe. Bon, là je vais être dans la merde. Est-ce que j'ai des mines ou pas? Est-ce qu'ils vont me suivre? Une antipersonnelle, est-ce que j'aurai le temps de la placer? Vite. Vite. Allez, go, monte, monte. On va voir s'ils viennent jusque là. Ce qui serait pas mal. Allez, venez les mecs. Allez.
Ils vont pas venir, c'est con. Merde, c'est dommage ça. Est-ce que je peux passer, vous avez mis par ici, ce serait pas mal. Ah, c'est bon, il est mort. Donc ils montent, effectivement ils viennent. Est-ce que c'était le seul? Est-ce que les autres se planquent? Enfoiré, ok d'accord. Il arrive, il m'a vu. Vite, cours toi. J'ai vu le sniper, mais j'ai pas eu le temps de le marquer. Allez, viens, Coco. Allez, viens. Allez. Et voilà, deux pour le prix d'un. C'est parfait. J'ai juste essayé de me faire. Est-ce que je me fais le sniper ou est-ce que je traverse la rue en courant? J'ai quand même bien envie de me faire cet enfoiré. Est-ce que je vais le voir d'ici? Je crois qu'il était plus sur le côté quand même. Ok, vu. On peut dire que je vais taper dans l'œil. Il y avait un autre enfoiré là, il a tiré dessus. Je sais pas combien ils sont, est-ce que j'ai le temps de traverser ou pas? Ok. J'avais pas du tout envie de recommencer. J'ai bien failli passer quand même. Qu'est-ce qu'on fout? On traverse. T'es prêt mec? Allez go. Que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le ménage. Je pense que la voie est libre, on va pouvoir aller en face. Mais... alors je me suis fait voir, je ne sais pas par qui ni où, sauf si c'est déjà les mecs en face. Sûrement les mecs en face sur la rive opposée, parce que je ne vois personne ici.
t'es où, mec? C'est un sniper, je crois pas, hein. Qui m'a vu? Si à cette distance, c'est un sniper, c'est pas possible autrement. Ok. Vu, mon petit mec. Ça c'est fait. C'est bizarre, j'étais sûr qu'on devait passer par là. Puisque là je ne peux pas passer sauf si c'est par là. Oui, d'accord. Doucement, doucement, on ne tombe pas. Ça, je me rappelais du musée et je crois que c'était assez coton. Assez coton. Bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens d'un truc. Alors, attendez, je vais juste baisser la musique parce que ça me prend la gueule. Voilà. Comment on peut rater ça? Putain les mecs! Mais c'est pas vrai, vous êtes fait en quoi là? Bon, quitte à être repéré. J'ai souvenir d'avoir galéré dans cet endroit. J'espère que ça va pas être la même. Il me semble qu'il y a un paquet de mecs à buter. Et je ne sais pas pourquoi, j'en avais chié, mais alors. Putain, je suis trop vite. Ils ont arrivé derrière moi. Non, mais putain, voilà. Faut vraiment quand même essayer de se le faire super discret. Parce que comme c'est pas vraiment un jeu qui est fait pour le combat... la mitrailleuse, malgré tout. Faut essayer de se le faire discret. On va essayer.
pas prendre le corps. Ça m'arrangerait de pouvoir prendre le corps en fait. Non. Vite, un peu de con arrive. Putain. Allez, pose-le. Qui va venir ici sans donner l'alerte pour le coup, puisqu'il n'y a aucune raison. Tu veux rester là comme un con? Ça m'arrange. Qui arrive. Comme c'est que je fais ça. Comment? Merde. Je ne sais pas vraiment où il faut aller. J'imagine en hauteur puisque je dois, je pense, dégommer les charges explosives sur le pont à distance. Mais je ne sais pas vraiment où aller. J'imagine que c'est évidemment en face, hein, sinon c'est pas drôle. Bon, si je crève, j'arrêterai là, hein, parce qu'on va pas refaire ça 4000 fois. Donc je vais essayer de réussir cette mission quand même. Alors, qui m'a vu et où? Je sais pas du tout où je dois aller, putain. Oh putain, la chance. On va se mettre une petite mine ici, histoire de s'assurer le coup. Voilà, si jamais un mec arrive. J'aurai le temps de les voir venir. Oh putain. On va assurer le coup. Et bien on a fait crever. Je pense que trois mecs à la mitrailleuse, j'étais même pas sûr de pouvoir me buter tous les trois vu ce qu'ils encaissent. Bon, je l'ai joué un peu lâche, mais au moins j'ai assuré le coup. Je pense que de toute façon on est à la fin de la mission, j'imagine. Il ne reste plus qu'à faire péter le pont. Ça devrait aller. Pourquoi autant de missions? Une mission, ça me plaît pas du tout ça.
Ah oui, ok, vite. Hop. Ah bah voilà. C'était pas compliqué. Ah merde, c'est pas fini. Mais d'accord. Vite. J'espère que personne ne va venir derrière moi. Parce que sinon, je vais pas pouvoir. Sur tous les fronts, hein. Ça pique. Il me semble que le char m'a vu. C'est moi où j'ai vu un mec me tirer dessus. Il fallait planquer, mec. Ça fait mal. Ouh, dans la gorge, ça fait mal. Bon, alors moi, faut que je me casse ici, c'est ça. Ok, bon, barrons-nous de là. C'est ça, faut que je me rebarre là-bas, hein. À détruire le char russe, très bien. Donc j'imagine qu'à cette distance, si j'en ai pas question. Ah mais si, il me fait chier depuis une heure, jusqu'à viser le petit réservoir là. On va reprendre un petit peu notre souffle. Putain. Allez. Oh putain. Non, non. Ça a servi à quoi que je mette... Non, surtout pas.
que je mette une mine antipersonnelle. Ça a servi ou... Je peux pas passer par là de toute façon. Mais c'est sans fin. Ah, c'est toi, c'est les amants là, qui arrivent. Un peu le ménage. Je suis pas sûr que je puisse descendre directement par là, ça qui m'inquiète un peu. T'as de la chance, enfoiré. Est-ce que je peux descendre par là ou pas? Putain, j'ai un doute. Oui, sûrement. Bah oui. Bah voilà. C'est une mission rondement menée. Alors, si tu le patron... Putain, me dis pas que c'est pas fini encore. Je peux pas passer par là, faut que je fasse le tour. Ouh, ouh, doudou, putain, ok, enfoiré, je vous ai vu. Non, mais escalade, toi. Mais putain. Mets-toi à couvert, mais hop. Oh. Putain. Voilà, j'y suis allé. Trop pris la confiance, comme on dit, et je me suis bien fait niquer comme un con. Donc effectivement, une deuxième vague de mecs qui arrive lorsqu'on descend l'échafaudage. Oh non, c'est pas vrai. Bah, je vais vous laisser là, les mecs. Hein. Je vais pas toujours taper. Hein. Mets-toi à couvert, putain. D'accord. Attends, t'étais où? De finir cette mission quand même, c'est pas possible. Ils se barrent comme des rats. Donc ça, on a vu que la bouteille, ça servait à rien. Oh là là là, putain, sans pitié. Hein. Ça fait mal, hein. Cette fois c'est bon, donc il va falloir attendre la deuxième vague. Où est-ce que je vais me planquer, putain? Il faut que je revienne sur le pont. Hein. Il faut que je revienne ici derrière les caisses en fait. Est-ce que où est-ce que je peux me barrer?
T'es à couvert! Putain, il veut pas se mettre à couvert, ce trou de balle. Putain. Non! Et merde. Bon, ça sent pas trop mal, je pense qu'on va y arriver. Putain. Comme quoi, il faut pas parler trop vite, hein. À chaque fois je me fais avoir. Ah, c'est que si j'aurais jamais le sniper en question, là, où est-ce qu'il est. Vite. Bon, c'est bon là où il y a encore des mecs. C'est pas possible ce niveau là. Il y a encore des mecs, mais c'est incroyable. T'as vu. Ok. Putain, c'est le paradis des snipers ici. Je suis là, Coco. Putain, c'est bon là. Mais c'est pas vrai. Mais non. Mais pourquoi tu t'es barré? Mais il y a un mec à chaque étage ou quoi? C'est bon là, non? Putain, on a réussi. Eh ben putain. Waouh, c'était pas sans mal. Hein. Quand le début c'était facile. Mais la fin, combien? Une heure. Putain, allez, une heure pour finir ce niveau. Waouh, putain. Bon, bah écoutez. C'était un peu plus compliqué que ce dont je me rappelais et ce que j'imaginais. Mais bon, voilà. On est venu à bout de cette troisième mission sur laquelle. Je vous laisse et vous dis à plus.
pour une prochaine vidéo d'un prochain jeu, je ne sais pas encore lequel, je vais déjà finir celui-ci. J'ai fini Shadow of the Tomb Raider, donc c'est pour ça que je me suis permis de commencer celui-là. Je vais le finir, et puis après on verra sur quel jeu je me mettrai. Bon, bah écoutez, à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu, et peut-être redonner envie de vous réessayer cette version V2 remasterisée, qui est à 39 balles. Donc si vous ne l'avez pas fait sur 360, et que vous avez aimé le 3 et le 4, et ben je ne peux que vous le conseiller, parce que c'est quand même un opus qui est plutôt pas désagréable et assez jouissif. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao les cocos. Ciao.